The greatest discovery in all of human existence, la plus grande découverte dans toute l'existence humaine, is the discovery of God's assigned purpose for an individual. C'est la découverte du but et dessein de Dieu pour chaque individu. The birth of a person, la naissance de la personne, will have been useless, serait inutile, without an assigned purpose. Sans une mission bien précise. God made each one of us, Dieu a créé chacun de nous, for a purpose. Pour un but. We are not biological accidents. Nous ne sommes pas des accidents biologiques. We all came prepackaged. Nous sommes tous venus bien emballés. With divine virtues. Avec des vertus divines, to fulfill divine purpose, pour accomplir les desseins divins. Life will be reduced, la vie sera réduite, to a game of chance, à un jeu de chance ou d'hasard, without the discovery, sans la découverte, of God's purpose for our lives, du but de Dieu pour nos vies. The first step, therefore, le premier pas alors, in walking in God's purpose for our lives, afin de marcher dans le but de Dieu pour nos vies, is to discover, c'est de découvrir, what the purpose is all about. De quoi s'agit le dessein de Dieu pour nous. This comes as a result of an intimate walk with the Holy Spirit. Ceci vient comme conséquence de notre marche intime avec Dieu. And as we begin to ask God questions in prayer. En se mettant à poser Dieu de telles questions dans la prière. Now for individuals. Alors pour chaque individu. This will happen for us in different ways. Ceci va se passer pour nous dans plusieurs manières. Depending on the quality of our individual walk with dépendant God. Dépendant de la marche qualitative de chacun avec Dieu. But there must be a point in your life. Mais il doit y arriver à un point dans votre vie. That you begin to ask God questions. Que vous commencez à poser des questions à Dieu. About His purpose for your life. God's purpose for our lives, le but de Dieu pour nos vies, is actually unfolded, est actuellement, ou se déroule actuellement, stage by stage, étape par étape, and phase by phase. Et phase par phase. It does not all appear at once. Et ça ne paraît pas tous au même moment. This is where growing in purpose comes in. C'est pourquoi il faut grandir dans le but. It will come phase by phase. Et ça doit venir de phase par phase. It will come stage by stage. Étape par étape. Now, in most cases, dans la plupart des cas, the initial discovery, la découverte initiale, of God's purpose for your life, de l'agenda de Dieu pour ta vie, may not look significant. Ne peut peut-être pas paraître significatif. It may look like something that does not have any future. Ça peut paraître comme quelqu'un qui n'a pas une suite et conséquence. When purpose is revealed, lorsque le but est révélé, or unveiled initially, ou dévoilé initialement, it's like a seed. C'est comme une semence. When we engage that seed in the soil, cette semence dans le sol, it grows and begins to produce, et cela grandit et commence à produire, a harvest in our lives, comme une moisson dans nos vies. Joseph grew as an administrator, Joseph a grandi comme un administrateur, in the house of Potiphar, dans la maison de Potiphar, to an administrator, pour comme un administrateur, in the prison, dans la prison, until he became an administrator, jusqu'à ce qu'il devint administrateur, in the palace, dans le palais, from Potiphar's house, de la maison de Potiphar, to the prison, à la prison, to the palace, jusqu'au palais. And so those were unfolded phase by phase. Alors, ces choses ont été dévoilées, se déroulaient étape par étape, and stage by stage. Étape par étape. It's important, c'est important that you believe in the ability of God in you. Que vous croyez en la capacité de Dieu en vous. Believe in your God-given talents. Croyez au talent que Dieu vous a donné. And believe the gifts of God in you. Et croyez au don de Dieu en vous. Start trading with what God has given you. Commencez à traiter, à gérer ce que Dieu a vous a donné. Start working what you have today. Commencez à marcher dans ce que vous avez aujourd'hui. And watch it grow to maturity. Et voir cela grandir jusqu'à la maturité. If you look closely, et si vous regardez approximativement, everyone, à n'importe qui, who have become great in God's purpose for their lives, qui est devenu grand dans le dessein de Dieu pour sa vie, you will notice something very common. Vous allez remarquer quelque chose de très usuel. There was a time in their lives, il y avait un temps dans leur vie, that it was insignificant. Que ces choses paraissaient insignificatives. But they stayed at it. Mais ils sont restés là-dedans, until it became great in their hands. And so start working. Alors commence à travailler. Start engaging. Commence à engager. And start investing. Commence à investir. Start working. Commence à marcher. Start engaging. À travailler, engager. And start investing. Et investir. And in a couple of years from now, et en quelques années à partir de maintenant, you'll be a surprise to yourself. Sera une surprise pour toi-même. Keep shining. Continue à briller. It's your time. Et c'est ton temps. To work in purpose. À marcher dans le dessein, and the plan of God for your life. Le plan de Dieu pour votre vie. I declare over you today, je déclare sur vous aujourd'hui, you will grow in purpose. Vous allez grandir dans le but. You become all that God has ordained for you. Tout ce que Dieu a désigné and I will see you in your destiny. Et je vous verrai dans votre destinée. God bless you. Et Dieu vous bénisse.